Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo pour vous parler de l'acclimatation d'un nouveau poisson. Donc, quand on reçoit un nouveau poisson, bien sûr, quand on le reçoit, si on l'achète dans les magasins, ils sont dans un sachet en plastique. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on le ramène à la maison, on ouvre le sachet en plastique, on met ça dans un seau, genre ça. Voilà, petit poisson, c'est un mésangrif. C'est un poisson que j'avais déjà, j'ai juste échangé de poisson, j'ai passé le je vais passer le mâle sauvage à la place du mâle F1. Donc on met le poisson dans un seau comme ça, on prend un petit tuyau à air, on le met dans le bac bien sûr dans lequel on veut mettre le poisson et on fait un petit siphonnage. Le petit tuyau à air va faire un petit débit, donc vraiment un petit filet, et on laisse ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour si le voyage il a duré longtemps, on laisse une heure. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de faire d'acclimatation parce que mes poissons ils vivent dans la même eau et tout. Mais voilà, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Donc, plus le voyage a duré longtemps, plus l'acclimatation est lente. C'est-à-dire que là, moi, voilà, si j'emmène des poissons qui ont duré une heure dans la voiture ou dans le sachet, je fais une acclimatation d'une demi-heure, 40-45 minutes. Mais si ça fait 6-7 heures qu'ils sont dans la voiture, ça voilà, si vous ramenez des poissons noirs, il faut faire une acclimatation d'une heure et demie. Ce qui veut dire que là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le tuyau, vous faites un petit nœud pour réduire le débit. Voilà. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au fur et à mesure vider l'eau. Donc, dès vous laissez le seau qui se remplisse pas maximum, éviter le débordement. Mais une fois que le seau il est bien rempli, vous prenez un verre ou quelque chose comme ça, vous videz avec dans un autre seau ou directement dans les toilettes. Et après, vous continuez l'alimentation jusqu'à ce que presque 100% de l'eau dans laquelle sera le poisson viendra du bac. Ça, c'est en fait de l'acclimatation goutte à goutte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'échange de température. Il n'y a pas besoin, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de mettre les sacs dans le bac. Parce que comme c'est du goutte à goutte, bah là, l'eau dans laquelle il y a le poisson va changer de température au fur et à mesure que vous lui rajoutez des gouttes. Donc voilà, franchement pour moi c'est la meilleure façon d'acclimater les poissons, ça permet de les acclimater doucement. De toute façon on n'est pas pressé, il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Ok, allez, à bientôt. Ciao.